Parfois, quand vous mettez à jour des bases de nos données, vous pouvez avoir des doublons de clients ou de fournisseurs ou peu importe. Pour cela, Excel vous permet de supprimer les doublons. Je m'explique. Là, ici, j'ai ce fournisseur-là qui porte le numéro 87 et je l'ai trois fois ici. Il a été rentré quatre fois au total. Pour éviter, du coup, d'avoir un montant qui sera faussé, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner une de mes colonnes, aller dans données, puis dans ici, supprimer les doublons. Donc, il va me demander si je souhaite utiliser la sélection en cours ou si je veux l'étendre à l'entièreté de mon tableau. Je souhaite l'étendre à mon tableau et je vais donc supprimer les différents doublons. Et donc là, effectivement, il m'a enlevé les doublons que j'avais sur mon numéro 87. Donc, c'est dans données, supprimer les doublons qui se trouvent juste ici. Et donc, du coup, il va vous demander ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez faire juste sur une sélection. En particulier sur une colonne ou sur une ligne en particulier, ou si vous souhaitez le faire sur tout votre tableau.